l'animatrice d'un chantier avec Jacques Maréchal qui s'intitule donc Le Parti communiste et les classes populaires au travail et dans la cité. Et il nous a semblé en effet très important de lancer ce chantier le plus rapidement possible. Donc il est en route sur la plateforme numérique congrès2018.pcf.fr. Et il est important en effet que l'on puisse échanger sur ce domaine, puisque le Parti communiste doit renouer avec les classes populaires. Et ce sont évidemment les classes sociales les plus touchées actuellement par la régression sociale et par le déclassement dans cette société capitaliste qui ne fait que diviser à la fois les salariés et les gens en difficulté. Donc la première question à instruire, c'est peut-être redéfinir plus précisément les classes populaires, où elles vivent, quels sont leurs problèmes d'emploi, leurs problèmes, pourquoi elles sont maintenant considérées comme des gens plutôt déclassés, vivant souvent à l'extérieur des villes et des centres culturels. Et je crois qu'il faut que le Parti communiste soit le moteur du rassemblement de ces galères des classes populaires pour transformer leur colère en espoir de changement et de nouveaux progrès sociaux et de nouvelle émancipation. Donc la deuxième priorité de ce chantier, c'est évidemment s'adresser au monde du travail et aux salariés et leur politisation, puisqu'on voit bien que les enjeux politiques sont maintenant à l'intérieur des entreprises. Mais il est évident que résoudre ce problème ne passera pas par simplement distribuer un tract à l'entrée des grandes entreprises, si elles existent encore, mais il faudra instaurer un dialogue très régulier avec les salariés, et pas forcément à l'intérieur des entreprises, mais aussi trouver des lieux pour pouvoir discuter librement de la politisation de ce monde du salariat. Donc ça, c'est un enjeu très important de ce chantier, et il me semble que nous devons, sur la plateforme numérique, encore une fois, peut-être partager des expériences que l'on tente auprès d'entreprises, auprès de salariés isolés, pour voir un petit peu comment on peut travailler à une nouvelle forme de militantisme vis-à-vis du monde du travail. Donc maintenant, on vous attend donc sur la plateforme numérique congrès2018.pcf.fr pour votre participation individuelle, pour vos échanges d'expériences, mais aussi pour les comptes rendus de réunions collectives. N'hésitez pas à organiser tout un tas de petites réunions en petits cercles restreints, mais aussi en sections, dans les fédérations. Nous avons besoin que ce congrès soit extraordinaire, donc de la participation d'un maximum de communistes, et tenter des expériences, témoigner des échecs, des réussites, pour que l'on avance sur la transformation du parti et sur ce chantier en particulier.